Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui c'est la S3 Street Games Moto. Voilà, c'est la Géorgie. Récemment, on a teasé une petite vidéo qui a annoncé qu'on allait sortir un nouveau projet intitulé S3 Street Games. En gros, qu'est-ce que c'est en très très gros, les gars? Vous me résumez ça en 3 mots maximum chacun. Street, ambiance, S3. Exactement. Street, ambiance, S3. En gros, ce qui va se passer, mesdames et messieurs, c'est que cette année, on a prévu de faire des matchs de street en 5 contre 5 contre un tas de personnalités, un tas de célébrités, de médias, etc. etc. C'est des matchs en 5 contre 5, très simple. On va les jouer dans des city stades de quartier. Ça veut dire que demain, on peut arriver chez vous. Vous le savez pas, et on va foutre l'ambiance de dingue. La vie de ma mère, on est là, la cité. Ça va être à la fois un événement, à la fois une vidéo YouTube. Ça va être un rendez-vous en gros. Il y aura des merguez. J'allais le dire, on va vous inviter à venir, on organisera. Regardez dans la poêle, j'ai rien. J'allais le dire. En fait, on va enfin répondre à cette putain de question qui est... Ah mais vous êtes des freestylers, vous savez pas jouer au foot. Ah, enfin ouais, cette putain de phrase, pardon, qui dit que les skills, ça sert à rien sur un terrain. Ah, tu m'imites là, t'es en train de m'imiter là. Non, j'imite pas toi, j'imite... Hakim. Qui est actuellement derrière la caméra. D'ailleurs, allez le follow Hakim Damani sur Instagram. Hakim DHM. Hakim DHM. Je ferai une faute sur son Instagram. Il va faire des followers. Tout de suite, dans une totale ambiance différente de celle que vous voyez actuellement, c'est une vidéo vraiment sérieuse qu'on a faite pour teaser un petit peu les S3 Street Games. Donc dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, j'ai envie de vous dire bonne vidéo parce que ça va être vraiment cool. Bon voilà. Visionnage. Bonne vidéo, encore une fois, on a hâte de faire ce premier match. Je n'ai même pas vu la vidéo, c'est quoi après? Peux-tu la filmer? C'est toi qui l'as monté en fait. Bonne vidéo. La technique. Depuis très longtemps, elle oppose deux grandes écoles. La première est celle de ceux qui considèrent qu'elle est innée. Un don tout droit tombé du ciel, accordé à des êtres uniques. Un don qu'on leur accorde dès la naissance. Pour d'autres, la technique n'est pas un don. Ce n'est qu'un ensemble de capacités motrices que l'on peut acquérir avec le travail. Que l'on peut acquérir en déversant des litres de sueur à travers des heures d'entraînement. Crochets, roulettes, AK, des skills de plus en plus complexes qu'ils réussissent à exécuter. Personne n'est parfait. Personne ne naît parfait. Et on ne peut qu'essayer de le devenir. La technique. Don du ciel ou travail acharné? À toi de me donner la réponse.